Salut YouTube, c'est... C'est pas possible, il s'est déplacé chez moi, il raide, du coup je prends du dégât. Mais je le déteste. Yes, no, yes. Si ça proc en embuscade. Oh! 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 Oh non, je peux pas perdre, je peux pas perdre le technomage et ma dernière Rattling. Phase 3. Non, ça va bien se passer. Avec les renforts, ça va bien se passer. Phase 3, vous allez voir. C'est le nouveau. Oh putain, des points de vie. J'ai 4 lanciers tout frais. C'est des guerriers des clans avec des lances. Oh, si il quitte et l'autre, il fuit instant parce qu'ils ont pas le moral. Alors, ils vont rester loin de Morgur. Hein. Ils vont rester loin de tout le monde en réalité. Il faut qu'ils puissent balancer des sorts. Alors, la Rattling, il faut qu'elle dégomme. J'ai trop pris de dire mieux. Je crois que je vais garder les Gatling ici. Ok, approchez-vous pour les sorts. Combien de temps? 1 minute 30. Allez, quitte. Allez, qui quitte? Retreat. Oh là là, là faut les ralentir. Hein. Il arrive, non, toujours pas. Déplacement impossible, mais putain, comment j'ai pu oublier ça?
Mais sur une zone pareille que... Alors, quel connard ! Affecte les unités, c'est unité volante. Ah mais non, mais ça ne sert à rien, c'est pour ça que tu ne t'en souviens pas. Tu ne te souviens jamais que ce qui est indispensable. Ah, mon anniversaire de mariage n'est pas un indispensable, du coup. Ah oui, tout s'explique. Attendez. Ah, arrêtez. Ne me déconcentrez pas. Mais ça, ça vient, oui. Vous pouvez toucher Morgur. Ah voilà. Oh, il va être temps, il va être temps, il va être temps. Attendez, 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 attendez. Vous, vous restez là, vous deux. Vous venez là, vous là. Et vous? Je veux les lanciers ici. Les épéistes ici, les autres lanciers ici. Les autres épéistes ici. Et vous sur le côté. Voilà, de la grande stratégie Skaven. Oh non, ils sont encore là! Attends, non, oublie, 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 oublie. Allez, détruisez les tireurs. Oh la vache, Morgur. Comment on va gérer Morgur? Comment on va gérer Morgur? La tisse de question. Oh, faut mettre ça là, hein. Bon, vous vous mettez comme ça et vous vous occupez de Morgur. Morgur, 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 hop. Voilà, vous le lâchez pas. Gatling n'ont pas encore commencé à tirer, tout va bien. Oh, les chars à Azorgor, ils sont intuables. Plus assez de magie. Enfin, ça recharge, mais... Bon, allez, les mecs, hein, vous devez le toucher, là. Ouais, essayez de bloquer les chars, vous. Attention de ne pas envoyer trop d'unités d'infanterie autour de Morgur parce que ça va être terrible. Ah voilà. Est-ce que ça lui fait mal? Absolument pas. Retreat! Now, yes! March, scurry, yes! Scupper, go! Warpstone magic! Runners! Skaven's
one one. Fight! Attack! Fight! Fight! C'est pas possible! On va la voir, on va la voir. Vous allez voir! Non, 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 vous avez plus de munitions, vous faites pas les cons. Partez d'ailleurs, partez. Attends, il est large ou pas, Morgur? Hop, hop, hop. Éloignez-vous! Viens toi, jette-lui un peu un truc. Petit gel. Ça fonctionne ça contre lui ou pas? Ça, ça marche bien. Hein. Pas sur lui, mais ça marche bien. Il n'y a plus une unité homme bête qui traîne quelque part, hein, on est d'accord. Bon. Bon, bah écoutez, faites. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites un truc autour de lui, une arène, quoi. On va lui envoyer les gens un à un pour le défier dans l'arène. Celui qui arrivera à le tuer gagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, vous, c'est votre tour. Non, il est pas large, hein. Non, 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 non. Non, mais attends, le tir de Ikit. Mais il est vulnérable au feu en plus! Ça doit quand même fonctionner un peu! Attends, approche-toi pour être plus précis. Attends, elle va jusqu'où sa portée de machin là? Ouais, ok. Tiens, mais jusque là. Allez. Il est vulnérable au feu! Comme il a la régène. Ouais, bon, ça faudrait le toucher déjà. Ouais, vas-y, un petit peu, quoi. Un petit peu, quoi, il quitte. Ouais, on voit ses PV qui bougent quand même, hein, quand il se fait tirer dessus. Je suis obligé de le maintenir au corps à corps, hein, sinon il va courir sur Ikit et là, je pourrais plus l'arrêter. Non, non, ça lui fait mal, ça lui fait mal. Ça va me coûter en troupes, mais ça me coûte en troupes de toute façon. Attends, 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 non mais ça, ça va jamais le toucher, ça. Ah non. Attendez, attendez, attendez. Vous pouvez lui jeter des trucs, hein, des vieux choux-fleurs, ce que vous voulez, hein. Ah, plus de mun, plus de mun, plus de mun. Plus de mun, genre plus rien. Ouais, reculez un petit peu, hein, soyez quand même pas dans... On est quand même en train d'assister à un instant un peu... oui ! Comme prévu.
Comme planifié. Vous stressez, mais moi je suis serein. C'était facile. ...141 kills. Dont 130 Skaven. C'est pas si mal. Oui, il quitte, il compte les... Il compte les... Sinon, il arrive pas à des chiffres... Tadoris, 700, nourriture plus 2, expérience plus 100. J'ai 13 000 de trésorerie, je tourne à plus 2 000, on n'a pas trop de problèmes. Je vais prendre la bouffe et l'XP. Oh, il est toujours vivant. Je le hais. Ah, super. Chief Warlock, make it clear. Ouais, on va faire de Ikit un mage. Hein. Je peux l'atteindre ou pas? Oui. On pourrait faire le choix d'essayer de l'atteindre pour le tuer. Oh ça y est, c'est en cours les gars. C'est en cours les petits amis. Le niveau 3. On va pouvoir y arriver. Ah oui. Oui, tout ce que vous voudrez. Prenez mon argent. Prenez ma soeur. Prenez toute ma cousine. Merci. Merci Braceman pour les 100 000 bits. Merci beaucoup. Non mais ça suffit. Attends quoi? Attends. Hein? Mais pourquoi je me régène maintenant? Pourquoi? Oh là là, tour 10. Mais non, mais on va pas se taper l'invasion tour 10. Hein. C'est bon. Hein. Au bout d'un moment, laissez-moi survivre. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi croire en mes rêves. C'est bon. Il m'a coûté cher hein, ce nain là. Je sais pas qui c'est mais fou. Il m'a demandé ta passe en... Oui. Non. Tour 10 avec les elfes sylvains. Non mais attendez. Non voilà. Déjà vous avez tort. Mais c'est peut-être à partir du tour 10. L'armée a reçu une peste. Mais genre... Mais pourquoi j'ai plus de dégâts? Morgure qui générait l'usure avec le raid. Mais alors du coup je n'ai pas... Attends je suis... Ah mais oui. Et du coup si je suis en ville c'est ok. Ouais par contre... plus de Rattling, plus de Jezai. Oh l'autre qui s'est fait défoncer. Attends viens. Oh, j'ai trouvé quelqu'un de plus faible que moi. Oh, chais. Oh, t'es ridicule. Oh, t'es qu'un petit poil de cul coincé entre les dents. Débarrasse. Poil de cul. Voilà. Oh, bâton interdit, résistance au sort 10%. Ratasphère. Allez. Et j'ai détruit la tilée parce que je suis trop fort. Ah oui, non, attrition. Where are my schematics?
Entre les dents. Oh là là, il y a plein de gens qui n'ont pas la ref. Terrible. Tempête warp, mais au secours. Déplacement impossible. Enfin bon, c'est déjà pas mal pour ne pas se faire attraper par 10 000. Enfin, pour ne pas se faire bouffer ces unités de tir par 14 000 unités volantes qui passeraient au-dessus de la ligne. Donc ça peut rester très 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 intéressant. Surtout face à du démon avec beaucoup de gargouilles, face à du vampire avec des chauves-souris, des trucs comme ça. Mais bon, sinon, c'est vrai que si c'est pas une unité volante, voilà. Tout se passe comme prévu, tout était calculé. Mais évidemment. C'est quoi la phase 5? La phase 5, c'est sortir 14 Rattling et défoncer tout ce qui est en face. Alors là, on a quoi? Des armes de dégâts, des armes de base, machin. Geyser de flamme qui peut être intéressant. Surtout face à Morgure, parce qu'avec des unités non en armure. Ouais, c'est pas perce armure du tout, c'est enflammé et dégâts magiques. Ah oui, mais non, puissance des tirs d'abord. Lui, c'est sa priorité. Est-ce que je crois en Tobaro? Bon, cela dit, j'ai de la trésorerie, donc pourquoi pas. Ah, j'aurais pu aller chercher la thune là-bas. Oh. Une quête vous a été proposée, puissant seigneur. J'hésitais parce que comme c'était un couloir et que moi je peux balancer des unités derrière lui, bon, je peux neutraliser ses tireurs, mais non, je crois qu'il faut vraiment que je l'ai en embuscade là, attaque en embuscade. Oui. Taux de reconstitution légèrement plus élevé. Je peux essayer voir si ça proc, mais avec une armée dans cet état-là... Ah, il prend du dégât, par contre. Ah ouais, du coup, si je vais me planquer dans la ville et que je l'assiège... Attends, il a quoi? J'ai du dégât de zone et tout, mais... Ah oui, mais attends, en racine du monde, est-ce qu'il a pas beaucoup moins de chances d'être chance de défense en embuscade plus 25%? Ah ouais, non, laisse tomber. Moi, si je vais là, je prends pas de dégâts alors que lui, oui. Il prend que dalle, il se fout de moi. Un tour. C'est quoi, je vais à Tobaro. Parce que du coup, il va attaquer Scarogne. Et je peux me régénérer et puis revenir. Parce qu'il n'attaquera pas la ville d'un seul coup. Il y a 14 unités en garnison. Oh non. Il est reparti. Il est reparti, je suis trop fort pour lui. Oh, les pestes avec Morgure, mais c'est un délire, ça n'arrête jamais. Oui! 5 tours. Oh, et les vermines de choc! Oh, et les catapultes! Oh, les catapultes! Ah oui! Ça, c'est toujours du revenu. Ça, c'est quoi? Plan fourbe, revenu généré 80, corruption scaven, coût de recrutement moins 5%. Bon, c'est toujours du revenu. Bon, je vais pas claquer toutes mes thunes maintenant. En parlant de thunes, je vais quand même pas passer à côté de ça. Hein.
Non mais elles sont pas dingues ces armées là. Dans Total War Warhammer 3, elles sont pas dingues. Une seule Rattling. Ah, c'est quand même risqué, c'est quand même risqué, c'est quand même risqué. Allez, un petit... un maigre plus 1000, c'est bon, je m'en contenterai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On en prend suffisamment plein le fion pour le moment, hein. Mais c'est un délire les pestes avec Morcure, c'est incroyable. Ça n'arrête jamais. Je sais pas, j'ai presque envie de vivre cette campagne en faisant les trucs un peu tendus en résolution manuelle. Je sais pas, je trouve qu'on pourrait rajouter un petit peu de souffrance dans la souffrance. Ah oui, auto, vous êtes vraiment beaucoup à vouloir l'automatique, la réseau auto. Bon allez, ne mettons pas cette règle en place pour l'instant. Ça ne coûte que quelques esclaves, voilà. Nourriture et expérience, je prends. Ah, on n'a pas eu de mal combustible, quel dommage. Attaque destructrice et puissance des armes, 20%, oui. Eh bien, il semblerait... Non, c'est pas encore maintenant. C'est quoi, c'est encore commandement moins 4 et attaque de mêlée moins 12 à chaque fois que je jette des sorts. Ouais, ça je vais quand même prendre. Hein. Attaque moins 12 à chaque fois que je jette des sorts, c'est pas forcément dégueulasse. La puissance qui est augmentée, donc les Rattling qui tapent à 375 de dégâts per s'armure et qui ont supprimé aussi, qui débuffent la vitesse de 30%, ce qui est pas mal. Bon, on va faire ça en vitesse, histoire de, si jamais Morgure se repointe. Là, pour l'instant, je ne le vois pas, donc c'est ok. Mur à Scarogne, ouais, ce serait peut-être une bonne idée, mais ça coûte cher. Pour l'instant, je préfère me refaire une armée un peu correcte. Vite. C'est incroyable les pestes. Ça n'arrête pas. Encore 3 tours. Alors combien de temps avant de pouvoir faire des... Ah, un tour et je peux avoir des... Attends, c'est quoi ça? Résistance aux projectiles, résistance au sort. Non, résistance physique. Oui, on pourrait avoir des trucs. Il y a pas mal de trucs qui pourraient être chouettes, mais... prochain tour, je peux avoir des vermines de choc. Bon, déjà là, on parle. Là, on va avoir une fronte. Tu sais si la mécanique d'Atel Tamara est fonctionnelle en Immortal Empire. Atel Tamara, attends, dans quelle campagne ça? Eltarion? Mais Atel Tamara, c'est laquelle? Il a dû faire le bâtiment pour les pestes à sa pierre. Ouais, bah c'est incroyable comment ça se spam. C'est ouf. Ah, il a pas eu Nuja par contre. Non mais je lui ai mis cher. Hein. Ah, c'est deux tours par contre. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, vermine de choc à épée bouclier ou vermine de choc à halbarde?
L'armure est la même. On a un bouclier chez les vermines de choc, ce qui peut être bien pour les projectiles. Défense 36. 33 pour les vermines de choc à Hallebarde. Attaque 38, attaque 25. Par contre, les vermines de choc à Hallebarde sont perce-armure anti-large et ont le renvoi de charge et la défense contre les charges d'unité large. Ils ont tous les deux l'union fait la force. Vitesse moins 10%, hein, activé si au moins 50% des PV initiaux. Ah oui, ils ont plus de défense et plus de commandement au début, mais s'ils ont moins de 50% de leur PV, ils prennent un debuff de commandement, enfin par rapport à ce qu'ils ont au début, donc il leur reste pas grand chose. Moins de défense, et mais ils courent plus vite. 13 kv. Et vitesse plus 10% si le commandement est hésitant ou inférieur. Ouais, ils fuient très très vite. Bon, on va clairement mettre une fronte à bouclier. Hein. Ah, nourriture générée 1. Croissance plus 10, je prends. Commandement plus 3, je prends. Autorité plus 1, je prends. Warlock Engineer. 4000. Allez, c'est parti. Même ça, ça rapporte de la thune d'ailleurs. C'est vrai que c'est quand même indispensable de faire les défenses. Parce que si jamais on me tombe dessus avec une toute grosse armée, je pourrais me replier à Ascaron et avoir quand même de quoi tenir. Tobaro, tier 3. Normalement, il doit arriver niveau 3, oui. Ah, l'ordre public, ça va, tiens. Ah, la corruption Skaven est en baisse. Par contre, beaucoup de corruption chaotique. Architecte, ouais, très bien. Nourriture générée, ok. Nourriture, ça dit quoi? On est à fond dans la bouffe, hein. Tout va bien. Là, on va discuter. Passons le tour. Là, on va discuter. Là, l'armée Skaven va sortir. T'as le droit à un chef Skaven? Ah oui, oui, normalement, je dois pouvoir le prendre. Et en plus, il pourrait aller scouter, voir ce qui se passe du côté des hommes bêtes. Là, on va pouvoir aller regarder Morgur droit dans les yeux. Oh, il y a eu un sacré écrémage dans les trucs. Colonie infectée. Ça n'arrête absolument jamais, c'est ouf. Amélioration de l'atelier. Vos efforts pour assembler des spécimens et des données aussi discutables soient-ils ne seront pas vains. L'atelier interdit a été amélioré. L'équipement et les installations techniques permettent de travailler sur des nouvelles pièces. Attends, comment je me trimballe avec autant de balles combustibles? Ah oui. Ah, j'ai eu un bonus. Oh, nice. Donc là, il me faut quoi? Atteindre le rang 15 avec un technomage. Atteindre le rang 15 avec un technomètre. Ah, donc un chef d'armée. Alors déjà... Pfft. Merci à tous. Alors là, on a quoi? Chance d'augmentation des vents de magie, plus 5% dans toute la faction, plus 100% de chance de récupérer du mal combustible après utilisation d'une fusée funeste au combat. Hmm. 25% de chance de construire une fusée funeste supplémentaire dans l'atelier. Les fusées funestes causeront des dégâts sur la durée supplémentaire. Taux de reconstitution des victimes, plus 10% après avoir utilisé une fusée funeste au combat. Limite de stockage augmentée de 3. Je pense que la priorité, ce serait peut-être quand même ça. Réduction du temps de rechargement pour les ratlings. Elles tirent plus vite, elles ont plus de munitions. Est-ce que ce serait-il pas plus important quand même? Bah en même temps, non, je peux pas faire les deux. Je peux pas faire les deux. Est-ce qu'on veut buffer les trucs? Mortier Globadier, c'est pas encore le moment. Et là, on a quoi? Ah ouais, le truc qui augmente les dégâts à plus de 70 mètres. Et sinon, c'est... ils peuvent traquer, ils ont une résistance aux projectiles. Pff, ouais. Permet les attaques enflammées pour l'unité assignée. Ah oui, oui, ça, ça donne une truc. Permet les attaques... ah ouais, permet les attaques enflammées et puissance des tirs plus 12%. C'est une bannière.
Et ça, on l'obtient comment? Développer des améliorations sur cette fenêtre pour obtenir des avantages. Ah oui, que si je claque ici, j'aurai pas. Bon, bah alors va pour les Rattling. Voilà, comme ça je l'ai. Croissance plus 5, munitions incendiaires. Ok. Alors maintenant, on va virer les trois là. Je suis à quoi là? Plus 1900. Les catapultes, c'est pas donné. 3 Rattling, 2 catapultes et je prendrais bien 2 Jezai, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. Il me reste encore un slot? Non. C'est déjà une armée complètement meilleure. Hein. Ah, je pourrais. Ah non, Technomage, je suis à fond. Je pourrais recruter Chourf. Ou Alchim Étincelle. Chance de succès d'une embuscade 10%. Les armées dans une région locale. Ouh, avec l'attaque en embuscade, ça devient super intéressant. Surtout que c'est dans la région, donc il suffit que. Il peut être en mode scout et let's go quoi. Merci Xenophilus pour les 2 ors tiers 2. En possession par contre. Ah ouais non. Commandement plus 2, puissance des armes 10%, bonus de charge plus 8. Ah oui, en possession donc non. Permet des attaques empoisonnées, oui. Oui. Bon allez. Un petit peu plus balèze, je sais pas si j'en ferai quelque chose, mais. Vas-y. Oh par contre les catapultes et les Rattling qui se recrutent en un tour, quel plaisir aussi. Il y a de la loyauté sur les héros. Non, c'est que les seigneurs la loyauté. Les héros, ils ont pas. C'est uniquement les seigneurs qui peuvent se rebeller. Les héros ne peuvent pas fuir ou se rebeller. Pourquoi Morgur il te veut du mal comme ça? Mais je sais pas. Moi j'étais là tout gentiment, assis à côté de lui en train de manger mes tartines. Et il débarque comme ça. Il a aucun savoir. Mais non, mais c'est pas lui que je veux. Un héros technomage unique capable de cibler une colonie étrangère pour y provoquer un tremblement de terre. Relation diplomatique 13 avec les Skeven. Capacité d'armée, pierre du clan Skrir. Résistance au sort, moins 44%. Oui, mais... ouais, est-ce qu'ils ont de la résistance au sort, machin? Chance de succès d'une action ennemie, moins 13%. Chance de succès de mes héros, plus 13%. En début de ce tour, les seigneurs ont des chances de gagner 2 en loyauté. Est-ce que j'ai besoin de bouffe? Non. Oh, j'ai pas besoin de grand-chose. Par contre, je suis suisse. Tobaros, si possible, allons-y comme... non, pas ça, du coup. Ah mais si, il fallait... non, fallait pas. Merci Adovicarius pour les 500 bits. 5000 viewers. Ah oui. Ah bah... Vous êtes là pour apprendre. Je vais vous montrer... comment jouer. Bien sûr. Merci beaucoup pour les 500 bits. D'ailleurs merci No Way pour les 10 mois, Captain Wallon pour les 5 mois, Xenophilus pour les 2 entières 2, Sachatouille pour les 6 mois, Séville pour les 26 mois, Reaper merci pour le Prime, King Charlemagne pour les 15 mois, Brazeman merci pour les 5000 bits encore, Wolf Rufus pour les 17 mois, The Bateau pour les 21 mois, Prétor Alpha pour les 6 mois, Ninobac pour les 34 mois, Xixis pour les 7 mois, Torius Tan pour les 5 mois, merci. Ça, Espestis pour les 25 mois également. Watchou de nouveau pour les 23 mois. Terrazul pour les 17 mois. Élément pour les 2 mois. Zaltras, merci pour le Prime. Merci Denazir pour les 3 mois. Gros Quick, merci aussi pour le Prime. Merci Fab pour les 14 mois. Rizoka pour les 100 bits. Rizoka pour les 100 bits à nouveau. Merci Doumar pour le Prime. Fred Alex. Merci pour les 16 mois. Merci Guéric pour les 30 mois. Salut les modos qui sont là aussi. Merci beaucoup. Merci Torvik pour les 23 mois. Ratno pour les 29 mois, Pilule pour le Prime, Nature and Click pour les 5 mois, l'autre neuneu pour les 20 mois, Animar pour les 16 mois, Gabiche merci pour les 6 mois, Octarius pour les 11 mois, Todever pour les 2 mois, Elohim merci pour les 20 mois, Stat Forever merci pour les 8 mois, Miss Pandicorn pour les 10 mois,
Merci beaucoup. À tous encore. Encore une peste. Bon, ça reste ok. L'air de la rage, une activité de quoi? Ah, corruption de corne. Ah bon? Et va voir par là, toi. Il est où? Ok, Nuja est tombé. Il doit pas être loin. Ou alors il est en embuscade quelque part, ce fourbe. Faut que je récupère au moins un Jezai quand même. Pas des trucs qui prennent deux tours. Une catapulte de plus, je crois. Deux Jezai, ce serait peut-être un peu gourmand, non? Encore que. Alors, une petite rattling en plus. Hein. On les a quand même bien buffés. Voilà. Ah oui, j'avoue, un petit lance-flamme, ça peut être festif aussi. Allez, un pour le... pour le plaisir. C'est vrai que ça peut être, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, un lance-flamme. À courte portée, dans les blobs, c'est dévastateur. Le petit lance-flamme festif, évidemment. Merci Miralov pour le prime. Son et lumière façon Skaven. Ah, toujours, les Skaven, c'est toujours un son et lumière de qualité. Parce que KT, là, ils font les malins avec leur son et lumière, avec leur truc, mais écoutez, chez les Skaven, hein, ça nous fait bien rigoler. Hein. Et quelques pétards attachés à des bâtons, là, c'est bien rigolo, mais on va vous montrer ce que c'est, des vrais feux d'artifice. Croissance plus 10, reconstitution... coût de recrutement moins 5% pour les esclaves et les guerriers des clans. Oh, on est tour 20! On est tour 20! Laissez-moi vivre! Laissez-moi vivre ma vie! On n'a pas de feu d'artifice! Plus de rattling! De toute façon, faut que j'attende. Mais je suis copain! Mais c'est mes copains, les orques! Merci Gagagrone pour le prime. Bienvenue. Plus maintenant. Mais non, non, mais c'est mes copains. C'est Morgur. C'est Morgur. C'est lui. C'est lui qui a tout organisé. c'est sa faute. Ah, on l'a trouvé. Il est où? Bah, embuscade découverte. Une bosse veut des dents qu'on pourra fracasser. Oui, donc par là, gosse puant. Je n'ai plus aucune race. Ils sont passés où? Mais il m'annonçait avoir détecté l'embuscade, comment ça? Toujours en positif, n'empêche, hein. Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à finir Morgur et puis... vivre notre vie. Oh putain, entre le tour 10 et le tour 100, pas le tour 20. Quel enfer. Oh là 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 là. Elle est trop bien cette nouvelle mécanique quand même. Avec le truc qu'on peut configurer, moi je suis fan. Hein.
On a tellement de campagnes incroyables à vivre ensemble qui s'annonce. Ah, plus de munitions. Faut être positif, ça aurait pu être 11, c'est pas faux. Ouais. Oh, tous les pactes de non-agression, je signe tout ce que vous voulez. Hein. Alors, qui sont les orques les plus proches? Vas-y, qui c'est? Morgur, il est à Tobaro? Grom. Ouais, Skarsnik, il est plus à l'est. Donc lui, ça va. Grom, il est plus haut, effectivement. Bon, on va rapidement le voir avec le château de Gascony. Et bien là... Ouais, là, il va sentir sa douleur. Petite attaque en embuscade. Petite attaque en embuscade. Alors, attaque enflammée, puissance des tirs, plus 12%. C'est pour les Rattlings qui vont avoir pour objectif de détruire... Ouah. Oh non, je veux l'humilier. Je veux l'humilier. Et vous savez quoi? Je fais même une prédiction, si vous voulez vous faire des thunes gratos. On va l'humilier. Dégâts enflammés, donc il va pas aimer puisqu'il est vulnérable. Il a une résistance aux projectiles, mais bon, ça reste des Rattlings. Des Jedi. Plus dégâts du feu. Mais attends, de base, c'est pas enflammé. Non. C'est brise bouclier. Bon, on va mettre en place le peloton d'exécution, hein. Oh, comme c'est magnifique, ça. Oh, comme c'est magnifique. On l'a vu, hein, on est d'accord. Ouais. Juste une unité d'infanterie pour les... tenir. Il quitte, tu vas là-bas. Ah oui, il a ça en plus maintenant. Nice. Allez, avancez les festivités, s'il vous plaît. Voilà. On est pas mal là. Bon, attention que l'infanterie va pas tenir non plus des heures. Bon, faites voir un petit peu les Jedi. Ils sont où? Voilà. Faites voir un petit peu ce que ça donne s'ils tirent sur les unités d'infanterie. Mais non, mais ils sont... mais ils sont pas du tout pénétrants comme... comme Katé, comme les canons grues. Ça n'a rien à voir.
Par contre, Morgur, on se... Ça a l'air d'aller pour lui, hein. Non ? C'est pas... Allez, mettez-nous l'ambiance, là. Voilà ! Voilà, là, il y a de l'ambiance. Oh merde. Mais il est sérieux? Mais il est sérieux? Attends, what? Ah, les enfoirés, ok, d'accord. Mais ça suffit, hein? C'est plus possible! C'est plus possible! Mais c'est plus possible! Mais! Ah, il perd son moral, mais quand même! Oh. C'est pas possible! Mais quel relou! Il y a combien de PV? Et la régène et ses 70% de résistance aux projectiles, mais quel enfer! Il est complètement humilié. Ah oui, non, là, là, voilà. Oh, il m'a pété des unités. Il a quand même réussi à me détruire des unités, quoi. Bon, je n'y suis peut-être pas innocent. Peut-être eu un jet de catapulte qui est allé un peu de travers. Oh, il m'en a détruit deux, quoi. Saligo. Par contre, son armée, elle a pas compris, hein. Tour de siège plus 1 par objet de siège construit. Oh, sympa ça. Revenu provenant des mises à chaque de colonies. Ouais. Petite unité de renom, mais ça va pas être particulièrement utile. Ah, temps de repos moins 10% pour les sorts. Loyauté plus 3%. 50% de chance d'obtenir du mal combustible après un combat. Munition de type flamme concentrée, portée améliorée et anti-large. Et puissance des tirs plus 12% pour le lance-flamme dit kit. S'il est à pied, parce que s'il est sur sa roue. Il n'a pas le lance-flamme. Durée de recrutement moins 1 pour les... Attends, on est d'accord qu'il l'a pas? Non, on aurait dit qu'il l'avait là. Il peut tirer maintenant depuis sa roue? Non, on est d'accord qu'il tire pas quand il a ça. Si, il l'a sur la roue. Sur sa ratasphère? C'est la roue alors sur laquelle il a pas. Mais non, là il a... Attends. Bah non, là il a rien là. Non, 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 non. Si je mets aucun... Ah, là il récupère ses munitions et tout. Donc non, 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 non. S'il est sur roue, il ne tire pas effectivement. Que ce soit sur ratasphère ou sur roue. Enfin, la roue a des projectiles, mais pas son lance-flamme. Pas son lance-flamme à lui. À pied, il est limite plus fort, hein, en fait. J'irai quand même bien chercher ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Durée de recrutement moins 1 pour les ratasphères et les roues. 3 utilisations du vortex. Le vortex devient meilleur. C'est pas mal aussi comme truc gratos. Ouais, à pied avec ses munitions spéciales, il fait quand même bien mal. Hein. Il fait quand même bien mal. Oh, ça c'est beau aussi ça.
Ah, c'est marrant, c'est toujours le même truc. Et ils ont jamais changé le logo, tiens. C'est toujours le logo nain. C'est un personnage nain. Optimisation de zone, précision plus 60 et temps de rechargement plus 20. En zone, c'est très fort. Surtout quand on a une armée comme celle des Skaven. Bref. Bref, bref, bref. Morgur, allez, sans rancune. À la prochaine. J'aurais peut-être dû voir s'il voulait pas signer une paix, parce qu'en vrai... On ne sait jamais, hein. Ah, interception. Ah bah oui, il fuit. Je perds rien, vas-y. Je gagne une petite... Timale combustible, hein. Il me l'indiquerait ici. Apparemment, je n'ai pas. Non. Nourriture plus 2. Je suis beau. J'ai beaucoup de nourriture. Allez, je prends la thune alors. Oh, d'accord. Les elfes qui vont... bon, très bien. Ça m'arrange, ça m'arrange. Je vais pouvoir prendre les Stalis. Faut que je prenne au moins les Stalis. Hein. Ah, faction détruite. Ah, bah d'accord. Ah, bah chais. Oh, c'était facile. Alors, qu'est-ce qu'on veut à Tobaro? En fait, peut-être l'armurerie du clan, je sais pas. Revenu, diminuer les corruptions, machin. C'est vrai que ça, comme c'est niveau 3. Moi, je sais pas, je vais garder peut-être ma thune pour l'instant. C'est vrai que j'en ai pas énormément non plus. Il faut que j'aille à Magritta, ça c'est une certitude. Faut que je prenne Magritta. Mais faudrait que les elfes se barrent, hein. Ça me plairait beaucoup. Allez, je vais prendre ça pour l'instant si jamais il me tombe dessus. Durée de recrutement moins 1. Et là il faut combien de points? 2. Ça c'est quoi? Loyauté, héros recrutable plus 1 pour les technomages. Plus 50% d'avoir du mal combustible après un combat, ça je veux. Et oui ça. Caronne, rien à faire. L'ordre public, ça va. Bon. Faut éliminer Orion. Ou en tout cas, faut qu'il retourne dans sa forêt, quoi. D'une manière ou d'une autre. Bah, en même temps, Grom va pas tarder à se pointer. C'est pas possible autrement avec la truc. Bon, je vais faire pour aller les affronter. Ton héros qui bouge pas dans l'armée, peut-être. Peut-être, oui, c'est vrai qu'il pourrait aider à stabiliser un peu la ligne. La colonie a reçu une peste. Encore? Bon, ça doit être les pestes qui tournent, qui étaient encore là. Bon, est-ce que je prends le risque d'aller... Oh, il a pris l'autre. Oh, il peut aller jusqu'à Magritta en plus. C'est chiant, ça. Et le taux de reconstitution est pas dingue. Il buff pas le taux de reconstitution, lui, par hasard. Non, c'est l'entraînement. Trop dangereux de prendre Magritta comme ça, du coup. Eh, c'est chiant, ça. Je vais perdre un temps précieux. Bon, allez, du coup. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il s'en va? Il est parti? Ou il s'est mis en embuscade? Il va falloir que je ressorte le héros pour aller voir en fait. Vaut mieux faire une petite embuscade. Ouais, mais l'embuscade, le problème c'est que je me reconstitue pas. Enfin, même pire, je vais avoir de l'attrition. Puis il y a trop de corruption du chaos sur le terrain. Oh là 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 là. Oh, on va se taper une méga faction peau verte. Bon, attendez, allons voir. Ah, ils sont là. Ah, ils me saoulent. Sinon, on peut tenter le coup, hein. Je crois en mes rêves. Ah, c'est con, si j'avais eu l'unité là, ça m'en faisait une foule.
good scheme. Là, je pourrais me mettre à côté de la ville, ce qui me permettrait de... Ah, maintenant, je pourrais pas reculer de toute façon. Oh, entre les sorts, le fait que je suis quand même dans une ville, là, maintenant. Bon, de toute façon, j'ai la possibilité de recruter les mêmes troupes que ce que j'ai dans mon armée. Donc bon, au pire. Au pire, c'est pas catastrophique non plus. Je sais relever une armée tout à fait conséquente à Scarogne et il saura pas m'enfoncer. Il faut tenter. Il faut tenter, je pense. Parce que là, si je veux réussir avec ces invasions peau verte de leur mort, il faut que je m'étende. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc il faut être agressif. Si il ne vient pas, j'ai tout gagné. Si il vient... Voilà, il vient pas. J'ai tout gagné. Parce que là, du coup, mon armée s'est refaite un peu. Et Magritta, j'ai la garnison qui a popé. Bon, qui est fatiguée, mais elle a popé. Donc je vais prendre ça, évidemment. 4 tours, quand même. Revenu généré 80. Ça produit 22 lingots. Ça fait diminuer la corruption. On va prendre ça aussi. Alors par contre, Nuja, on va bien se calmer. Hein. Ça baisse la corruption pour l'instant. La corruption Skaven augmente, la corruption de Nurgle diminue, la corruption du chaos diminue. C'est ok. Bon, s'il m'attaque maintenant, oh, ça va. C'est quoi les rangs des peaux vertes? Oh bah ils sont à fond, hein. Ils sont tous dans la tête, hein, dans le peloton de tête. Oh, regardez ça, putain. Azag, il va ravager l'Empire. Ça fait aucun pli, quoi. Bon. Mais à mon avis, Orion, il va repartir vers le nord. Hein. C'est pas possible autrement. Il va se barrer vers le nord. Il y a Grom qui doit être en train de s'énerver de ce côté-là. Il va repartir. Je vois de la fumée qui s'élève de l'autre côté de la montagne. Ah, c'est assiégé, ça. Allez, tu tubes, on voit la suite la prochaine fois, des bisous!